Les amis, bienvenue pour la dernière séance de la semaine avec mon ami Will. Ça va être une séance pour les gens qui aiment la bro-science. C'est une séance milieu, bas des pecs et largeur du dos. Trois exercices de chaque. Mais avant de commencer cette séance, les amis, laissez-moi vous prendre en aparté juste quelques instants. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à atteindre le Saint Graal qui est d'avoir la meilleure version d'eux possible. Donc, je me suis dit, étant une âme fort charitable, comment pourrais-je vous aider à atteindre ce Saint Graal? En apprenant à vous connaître, en communiquant, en échangeant, en ayant une interaction avec vous. J'ai mis en description de la vidéo un lien qui va vous permettre de remplir un questionnaire et de pouvoir avoir un appel téléphonique avec moi. Et ça, ça vous coûte rien. Simplement remplir un questionnaire. Ceci étant dit, les amis, on va pouvoir passer à mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé. Et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Will, peux-tu venir à mes côtés, s'il te plaît? Ça va, tranquille. Alors, cette semaine, comment s'est passée cette semaine d'entraînement en myofibrillaire? Elle s'est très bien passée, beaucoup de courbatures. Et ouais, bah, c'est bien, bah, comme je l'ai dit sur d'autres vidéos, en fait, moi d'habitude, je travaille beaucoup, enfin, principalement sous la répétition. Et bah, là, ça m'a permis de voir qu'en fait, j'avais plus de force que ce que je pensais. C'est clair. Que bah, je pourrais travailler sur de la rep, mais avec plus de charge. Chacune de mes séances commence par des abdominaux. Et là, vu qu'on a fait le bas des abdos, on a fait les obliques, on a fait le haut des abdos, on a même fait du gainage, là, on va faire un medley de tout, 4 séries, sans s'arrêter, un mouvement pour le bas des abdos, un mouvement pour les obliques, un mouvement pour le haut des abdos, on ponctue par le gainage et on répète ça 4 fois. Donc mon petit Will, ça va piquer, patin. Les amis, on est parti. Pour les abdominaux, on commence par 20 relevés de jambes. Donc le relevé de jambes, on met les mains sous les fesses, on tend les jambes, on va relever les jambes jusqu'en haut et n'oubliez pas, dans la montée, on va rentrer le ventre pour contracter les abdos naturellement. On y va mon petit Will, on est parti pour 20 répétitions. Encore deux. 19, encore une. Et 20. On va garder les jambes en l'air, on va plier les jambes, on va écarter légèrement les jambes, on va mettre la main gauche intérieur droit. Main gauche intérieur droit. Parfait. Et on va alterner maintenant. Change de côté. Super. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Sans bouger les jambes. 7, 7, 8, 8, 9, 9. 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Et ben on va garder les jambes en l'air, on va tendre les jambes derrière soi, on plie pas les jambes. Et on va décoller le buste en ramenant les mains vers l'avant. Super. 1, 2, 3. On est parti pour 20 reps. Donc, j'aime bien enchaîner ce circuit avec des obliques en mettant la main droite intérieur gauche, en alternant avec main gauche intérieur droit, en gardant les jambes en l'air, ce qui permet d'avoir le bas des abdos contracté vu qu'on l'a travaillé juste avant. Et quand je vais enchaîner le relevé de buste, je vais garder également les jambes en l'air, comme ça, ça nous permet d'accentuer le bas des abdos qu'on a travaillé lors du premier exercice et les obliques qu'on a travaillé lors du deuxième exercice, ce qui veut dire qu'on travaille les abdos de manière globale quand on enchaîne les 3 sets en gardant les jambes en l'air. Et une fois qu'on a terminé les 20 reps pour relever le buste, on enchaîne par une minute de gainage. Une minute de gainage, mon petit Will. On va répéter ce circuit 4 fois sans prendre de temps de récupération. Pourquoi nous ne prenons pas de temps de récupération? Pour que le travail soit beaucoup plus intense sur les abdominaux, ce qui va nous permettre, bien évidemment, d'avoir la sangle abdominale contractée pendant toute la séance. C'est pour cette raison que je commence toutes mes séances de muscu par les abdos. Et surtout, ça m'évite de les bâcler à la fin d'un entraînement. Après, comme je le répète, ce n'est pas une religion. Je ne force personne à adhérer à mon point de vue. Je vous conseille d'essayer
et de mettre dans la barre des commentaires quel ressenti vous avez eu en employant cette technique. Will, on est bon. On va passer à notre premier exercice pour travailler les pecs. On va commencer par un écarté au pec fly, ce qui va nous permettre de bien ouvrir la cage thoracique, car aujourd'hui, on travaille le milieu et le bas des pecs. Donc pour les gens qui aiment la broscience, cette vidéo, elle est faite pour vous. Si tu n'aimes pas la broscience, passe ton chemin, va voir tes autres petits copains. Là. Toi ici, il n'y a rien à faire pour toi. On enchaîne. On est parti pour la première série d'échauffements. Comme vous le savez, avec Will, la problématique, c'est de trouver la bonne charge. Cette problématique doit être exactement la même pour vous. Dans le myofibrillaire, donc dans la série courte et le temps de récupération long, l'important, c'est de monter en gamme pour trouver la bonne charge de travail de 6 répétitions. C'est hyper important. Et évidemment, notez quand vous avez trouvé cette charge, ce qui vous permettra, lors des séances prochaines, d'éviter de faire trop de séries d'échauffement. 12... 13, 14, 15, encore 5, 16, 17, 18, encore 19, encore une et 20, pause. On va faire une série de 20, une série de 15, une série de 12, une série de 10 et après on passera à nos 3 séries de travail. Donc, on ne va pas vous montrer les séries d'échauffement car ça paraît l'intérêt. On se retrouve directement pour les séries de travail, les amis. Les amis, on arrive à la première série de travail. On a dû rajouter du poids car malheureusement, c'est trop léger pour Will dans les séries courtes. Donc, on est parti pour la première série de 6, les amis. Let's go. Comme ça, les amis, c'était la première. Il nous en reste deux. On se retrouve pour la dernière et on passera au second exercice pour les pectoraux. Parti, mon petit Will, let's go. Le premier mouvement qu'on a fait pour le milieu des pectoraux est un mouvement qui permet d'élargir la cage thoracique et qui est bien, selon moi, pour créer un pump pour un premier mouvement. C'est pour ça que j'aime commencer également le haut des pectoraux avec des mouvements d'écarté, ce qui permet d'ouvrir la cage thoracique et de créer un bon étirement et une bonne contraction. Deuxième exercice, c'est une machine que j'aime particulièrement qui cible le bas des pecs et le milieu des pecs. Donc, on va prendre une prise assez large. Et les coudes qui vont tracer la trajectoire de la partie du corps qu'on veut travailler. Là, vous voyez que les mains sont en dessous des tétons et les coudes également. Ce qui veut dire que là, on est vraiment dans l'axe du bas des pectoraux et la machine descend légèrement vers le bas dans la contraction. Donc, on cible vraiment bien le bas des pecs et le milieu des pecs. Donc, on vous a épargné la première série de 20, la deuxième série de 15, la troisième série de 12. On vous a montré directement la quatrième série de 10, qui sont les séries d'échauffement qui vous permettent de trouver la bonne charge pour passer aux séries de travail. Et on se retrouve pour celle-là, les amis. Deux minutes de récupération et vous pouvez monter jusqu'à 3 minutes de récupération dans cette phase d'entraînement myofibrillaire, les amis. Nous sommes partis pour la dernière série de travail, les amis. Let's go. Encore une.
Et 6, parfait. Les amis, on se retrouve sur le troisième et dernier exercice pour le bas des pectoraux, poulie vis-à-vis. Ça, ce mouvement, je l'aime particulièrement. On est parti pour le dernier exercice pour les pecs, les amis. Écarté à la poulie, donc on va descendre les bras vers le bas car vous travaillez le bas des pectoraux. On est parti. N'oubliez pas, c'est toujours vos mains et vos coudes qui vont tracer la trajectoire. Ouais. 1, 2, 3, sortez la poulie. Jusqu'à 20, 15, 16, 17, 18, 22, 19, encore une. On est parti pour la dernière série de travail, les amis, qui va clôturer notre séance de pec, milieu et bas des pecs. Et on pourra enchaîner la largeur du dos. Trois exercices. Will, on est parti. On est parti pour le premier exercice pour le dos, pour la largeur de dos. Donc là, on va faire un mouvement interdit. C'est le tirage nuque à la Kegreen. Donc, on met les fesses le plus loin possible. On met le buste le plus loin possible vers l'avant. Les fesses le plus loin possible vers l'arrière. On va avancer la tête. On va descendre la barre au niveau de la nuque, mais au niveau de l'alignement des oreilles. Pas plus bas que les oreilles. On est parti, Will ? Un. Super. Deux. Ok. Trois. Super. Quatre. Ok. 5. Tends bien les bras jusqu'au bout, pas chercher l'étirement. 6. Ok. 7. Ok. 8. Ok. 9. Encore, encore. 10. Encore. 11. Encore. 12. Super. Encore. 13. Encore. 14. Encore. 15. Encore 5, s'il te plaît. 16. Encore. 17. 18. Encore 2. 19. Encore une et 20. Super, on pose. On va vous épargner la série de 15, la série de 12, la série de 10. Et on va se retrouver pour la première série de travail, la série de 6. Ce qui est intéressant en musculation, c'est qu'avant de qualifier un mouvement de bon ou de pas bon, il faut observer les personnes qui, elles, continuent à le faire. Observer le physique que ces personnes ont, observer la technique qu'ils emploient lors de d'autres mouvements ou tout simplement lors de leur entraînement, quel qu'il soit. Vous pouvez vous rendre compte que le mouvement que cette personne vous montre n'est pas un mouvement fait pour Internet ou pour épater la galerie dans une salle de sport ou impressionner les femmes. Donc c'est Kegreen qui a remis ce mouvement au goût du jour en mettant ses fesses le plus loin possible en arrière sur le banc, en avançant son buste le plus proche possible de la machine, en mettant ses mains le plus large possible, en descendant la barre pas plus bas que les oreilles, ce qui permet au coude d'être dans l'alignement des épaules, pas plus bas. Et ce qui permet de sentir les rhomboïdes, de sentir l'arrière d'épaule, de contracter également les trapèzes. Donc là, après ces explications, on va pouvoir passer à notre première série de travail, les amis, notre première série de 6. Ce qui est intéressant également quand on travaille les pecs et le dos ensemble, donc le mouvement agoniste-antagoniste, quand on travaille le dos, on va étirer le muscle des pectoraux qui a travaillé avant. Donc on peut dire que c'est un double bénéfice. Et 6, super, on pose, parfait. On se retrouve pour la dernière série de travail, les amis. 1, 2, 3, 4, 5, encore une, et 6, parfait. Donc, on va rester sur cette machine pour faire nos trois exercices. Donc là, c'était le premier. Le deuxième, on va faire la barre devant, on va descendre la barre au niveau du menton. On va prendre une prise un peu moins large et quand on va descendre, on va mettre les coudes légèrement vers l'avant. D'accord ? L'important, tout est une question d'angle, tout est une question de prise, tout est une question de ressenti. La sensation, c'est la chose la plus importante dans ce sport. N'oubliez pas que la musculation, c'est une relation entre vous et votre corps. C'est pas une relation entre un étranger et ton corps, c'est une relation entre toi et ton putain de corps. N'oublie pas. L'important dans ce mouvement, quand on est dans la phase excentrique, on met le buste légèrement vers l'avant et la barre est au-dessus de la tête. Et quand on est dans la phase concentrique, on va reculer la tête, on va mettre les coudes légèrement vers l'avant pour que la barre aille au niveau du menton, pas plus bas. On y va. Super. 2.
19, encore 1 et 20. Donc vous voyez la différence entre le premier exercice et le second. Premier exercice, prise très très large, les coudes vers l'arrière. Deuxième exercice, prise un peu moins large, plus large que la largeur d'épaule bien évidemment, en mettant les coudes légèrement vers l'avant. Et lors du troisième exercice, la prise sera une prise supination, largeur inférieure à celle des épaules, et c'est le seul mouvement qui permet de travailler le bas des dorsaux, donc de créer un évasement au niveau du dos. La plupart des personnes font des prises très très larges, donc ils ont un haut des dorsaux surdéveloppé comparé au bas, donc c'est très important pour les bodybuilders comme Will. Les amis, on vous a épargné la série de 20, la série de 15, la série de 12, la série de 10, on est parti pour la première série de travail, série de 6, il y en aura 3 comme ça, let's go. Super, on pose pas. Dernière et troisième série de travail, les amis. Let's go. C'est parti. 2, 3, 4, 5. On arrive à la fin du deuxième exercice pour la largeur du dos. On se retrouve sur la même machine pour avoir une prise différente. Prise supination. Inférieur à la largeur des épaules, donc là c'est le seul mouvement qui permet de travailler le bas des dorsaux. Donc n'oubliez pas les amis, le bas des dorsaux, ça qui va vous donner un évasement énorme au niveau du dos, surtout pour les personnes qui font de la compétition. On est parti pour le troisième et dernier exercice pour la largeur du dos, prise supination inférieure à la largeur des épaules. Will, on est parti. Bon, on commence par la série de 20 bien évidemment, et on vous épargnera toutes les autres. Là on va descendre la barre au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine. Plus bas, plus bas. 4, 5, encore 6, tendez les bras jusqu'en haut, 7, 8, 9, 10, encore 11, 12, encore 13, encore 14, encore 15, encore 5, 16, 17, 18, encore 2, 19, encore 1 et 20, super. On se retrouve pour la première série de travail, les amis. On est parti pour la première série de travail, les amis. Let's go. Descends jusqu'en bas, plus bas, plus bas, plus bas, 2. Voilà, plus tu descends bas. Parfait, descends bas. 4, 5, 6, super, on pose. Troisième et dernière série de travail, ce qui va clôturer cette séance, cette semaine d'entraînement, l'équipe. Let's go, mon poulet. 2, encore 3, 4, encore 5, yes, 6, encore 7, encore 8, on pose. Bon, là, pour la dernière, on est parti jusqu'à Will. Dans cet entraînement, on a décomposé les pecs et le dos. Pourquoi ? Car pour Will, c'est des muscles hyper importants pour la compétition. Donc, vous pouvez essayer, bien évidemment, cette méthode d'entraînement, cette semaine d'entraînement sur 6 entraînements dans la semaine, ce qui est énorme, mais au moins vous rapprochez de ce que peut faire quelqu'un qui fait de la compétition. Vous allez me dire, ouais, je fais pas de compétition, je prends pas de produits. Ben, vas-y, ben, ferme ton cul déjà. Arrête toujours de te rabaisser et de dire aux gens qui prennent des produits, qui font de la compétition. Bon, tu peux faire cette méthode d'entraînement pendant 3 semaines, pendant 1 mois, ce qui va bousculer et choquer la méthode habituelle que tu as. Car n'oublie pas, quelle que soit la méthode employée, l'important, c'est la contrainte et le changement. Donc, disons que tu t'entraînes pendant 1 mois comme Ronnie Coleman. Bon, bah, tu n'auras jamais le physique de Ronnie Coleman, mais ça va bousculer ton organisme, ça va bousculer tes muscles, ça va bousculer tes tendons, tes articulations, ça va bousculer même ton petit cul, va savoir. Peut-être même ton petit cul, ça va bousculer. Et au moins, ça te permettra d'aller au-delà de ce que tu as pu faire auparavant pour que tu reviennes à un entraînement classique. N'oubliez pas, les amis, personne n'a la science infuse dans la musculation.
personne ne détient le savoir ultime qui va te permettre d'avoir les résultats que tu n'arrives pas à avoir et qu'un autre arrive à avoir. Et pour justifier ta médiocrité, tu vas te dire qu'il prend des produits, qu'il n'a pas la même génétique que toi, bla 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 bla. Il n'y a qu'une chose qui paye, le travail et le temps. Et tu sais très bien que si t'es pas capable de suivre une diète ou de t'entraîner, t'es une grosse merde. Bah évidemment, t'es une grosse merde. C'est plus important que nourrir ses enfants, c'est plus important que rendre fière sa maman, c'est plus important que baiser sa femme, c'est plus important que tout. Donc je termine toutes mes vidéos en disant ceci: j'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et oui, on peut le dire officiellement. La jalousie, ça se mérite, poteau. C'est la base.